Bonjour, quelles sont les énergies du jour aujourd'hui? Allez, allons-y. Chaque guidance est intemporelle en fait. Ce qui compte, c'est le moment où tu tombes dessus. Si elle te parle, c'est que le message est pour toi. J'espère que tu vas bien. On est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu peux retrouver d'autres guidances. Donc, ces guidances, tu peux les retrouver sur YouTube, sur la chaîne Sacré Féminin. Tu trouveras facilement dans le moteur de recherche de YouTube. Et tu peux retrouver des guidances pour le féminin et le masculin. Là, par exemple, je viens de terminer une guidance pour le sacré masculin. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, on les prend. Ici, c'est aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des traumas qui étaient en train de remonter ou quelque chose voilà, qui fait mal. Oui. Alors, c'est complètement différent de ce que j'ai pu avoir dans la guidance du masculin. Tu pourras aller voir sur la chaîne si tu veux. C'est une guidance pour ces messieurs ou pour l'énergie masculine, parce qu'il y a des femmes qui sont beaucoup dans l'énergie masculine, donc ça peut te parler aussi si tu es une femme hein, sur la guidance du masculin que je mets sur YouTube. Tu peux retrouver chaque semaine masculin, féminin. Des fois, je fais les deux en même temps. Les guidances du jour que tu trouves ici sur Instagram et sur Facebook, mais aussi des guidances sur les flammes jumelles aussi chaque semaine. Alors là, il est question vraiment de choses vraiment pas agréables du tout. Ça peut être des blessures qui remontent. Hein. Quelqu'un a été blessé ici avec le centaure qui a pris une flèche en plein cœur. Et ça peut être aussi un trauma qui remonte. Il y a quelque chose qui est en train d'être épuré là aujourd'hui. Peut-être que les énergies amènent à ce que ça remonte. Hein. Ça parle de peine, de fatigue aussi. C'est la carte de la fatigue. Attention, même peut-être de malchance, d'accident, de choses comme ça. En tout cas, de difficultés, des choses pas agréables. Cela dit, on parle vraiment que tu as du mérite. D'accord? Tu es peut-être tombé, c'est peut-être difficile, mais tu as du mérite et tu es plein de sagesse. Ici, on te dit de vraiment de revenir à toi de tout ce que de toute l'expérience de vie que tu as eue et de t'en servir aujourd'hui dans ces moments difficiles. Et ça, c'est la constellation de la Dorade qui te le dit. Hein. On voit que tu as une très très belle protection ici avec notre 6 de trèfle. On va aller voir tout de suite le futur, c'est pas la peine d'aller voir tout de suite dans le passé. Le passé, c'est le danger, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu voir quelque chose, il y a eu peut-être trop d'innocence, trop de gentillesse, trop d'innocence, et quelqu'un est venu faire du mal ou a planté un poignard dans le dos. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas vu s'est glissé en fait, et a créé un conflit peut-être entre deux personnes ou dans un couple aussi, là, avec le petit sujet ici. On ira voir ça tout à l'heure. Là, il est question d'utiliser sa sagesse, hein, le langage floral ici, t'en parlais, pour vraiment créer l'avenir. D'accord? Tu peux ressentir de la colère, de l'agressivité, tu peux ressentir plein de choses comme ça en ce moment, mais on te dit de ne pas te laisser envahir. Utilise plutôt ça pour créer un avenir que vraiment meilleur demain pour toi, quelque chose qui sera bénéfique pour toi. Ici, il y a quelque chose à éclaircir. Il y a des situations de troubles qui sont à éclaircir. Et il faudra certainement y faire face. Et donc, éviter, faire les choses dans la passivité. D'accord? Peut-être prendre une posture d'observateur, d'observatrice, pour éviter justement que ça pète. Et permettre justement une réconciliation, quel que soit le domaine. Parce que oui, c'est possible, surtout ce que je vois ici. D'accord? Donc là, très clairement, là on a, c'est vraiment Paris et Ménélas hein, qui te disent ça, hein, qu'il va falloir vraiment éclaircir des choses. Et dans tous ces soucis, toutes ces épreuves, c'est en éclaircissant les choses et en faisant peut-être preuve de diplomatie, c'est le cas ici, lui, il lui tend la main. Lui, là, il l'attaque pas, mais il est en protection. Donc c'est une question, voilà, d'être dans la diplomatie, d'éviter l'agressivité face à ce qui est difficile. T'as le talisman du soleil qui va te donner justement la réussite dans cette entreprise-là. Hein, le succès dans cette entreprise-là. Ça, c'est la carte des conflits, hein, des disputes. On l'a vu, on l'a compris. Et là, c'est le 6 de trèfle, c'est quelque chose qui a été créé par peut-être quelque chose,
un comportement imprudent, parfois peut-être trop d'ambition aussi. Il y a peut-être eu un manque, on n'a pas fait appel à sa sagesse, un manque de réflexion aussi peut-être, hein. Donc évidemment, là on parle d'un avenir incertain avec Géranium, If et Rus, R-H-U-S, et d'une certaine solitude avec la constellation d'Arcturus. Mais H nous parle d'ambition, de détermination, d'opportunisme. Oui, il y a des opportunités qui viendront, mais attention à ce qui vient, attention à faire un pas en arrière, à observer les choses pour éviter justement des face-à-face trop violents, des conflits, des choses comme ça. Donc, s'il y a eu quoi que ce soit des conflits, on l'a vu ici, d'accord ? Il y a quelque chose qui s'est passé là, qui n'a pas été bon du tout avec notre crocodile. Hein. Ça, c'est la carte du danger en général. C'est quelque chose, on ne l'a pas vu venir et ça a créé vraiment querelle, conflit, dispute. On le voit ici. Mais notre petit sujet, ici, il nous dit que la réconciliation, elle sera là, dans tous les cas. Hein, donc, dans le domaine sentimental. Marrant parce que j'ai ça qui ressort beaucoup, là, depuis deux jours, hein, à peu près. Mes énergies, elles restent 2-3 jours. Hein. On a quelque chose qui reste plus ou moins identique. Mais ce qui est intéressant, comme ça, chaque jour, c'est de les voir évoluer, de voir comment elles se transforment. Et là, très clairement, eh bien, il y a encore cette notion de « il s'est passé quelque chose d'important et peut-être même de grave parfois, mais ça s'améliore, la situation s'améliore. » Il y a comme un retournement de situation, mais grâce, je dirais, à la compréhension, à la sagesse, à la diplomatie, avec de la bienveillance et pas avec de la colère et de l'agressivité. Voilà, donc quelque chose... je parlais de purification au début de la guidance, et vraiment, il s'agit de ça. Il s'agit de quelque chose peut-être qui demandait, qui n'était pas complètement terminé, qui demandait, voilà, qui... De toute façon, quand ça remonte, s'il y a une blessure qui remonte, ou si, voilà, t'es en colère ou triste ou quoi, c'est que ça a appuyé sur l'interrupteur, sur le bouton on, c'est que la chose n'était pas complètement réglée, elle était bien enfouie dans l'inconscient, puis elle remonte pour être évacuée. Hein, c'est pour ça qu'elle remonte, et t'y arrives, parce que là, il y a la protection du soleil, on parle de succès dans les entreprises. Donc, dans cette affaire-là. Donc ici, la paix, elle revient. Et le bonheur revient, et ça fait du bien. Et donc dans le domaine pro, ça c'est dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel c'est pareil. Dans le domaine professionnel, il est question justement d'abord de faire des efforts, c'est pas ça que je veux dire, que les efforts sont récompensés. D'accord ? Toutes les démarches, tous les efforts sont récompensés, on a vu que vraiment les entreprises sont favorisées ici, et que ce que tu souhaites... Et l'ambition avec laquelle tu le souhaites, eh bien, sera une réussite, t'apportera satisfaction et épanouissement. Et là, il y a vraiment une notion de volonté, de quelque chose qui est positif, qui est récompensé. Je trouve que cette carte, elle est fortement reliée au bélier quand même, hein, au signe du bélier ici. Donc attention à ne pas foncer comme le bélier, à vraiment faire preuve de diplomatie, savoir s'arrêter, regarder, observer, réfléchir avant d'agir. Ici, les efforts sont récompensés, donc l'oublie pas. Et dans le domaine financier, eh bien, grâce à ça, les soucis seront derrière. Et il pourrait y avoir même des retombées, des gains intéressants pour la suite, hein, également. Si je devais recouvrir, j'ai encore du temps. Je ne suis pas allée là, parce que là, bah, je t'en ai déjà parlé quand même, donc j'ai pas... Oui, il y a une stratégie à prendre, il y a une stratégie à avoir. Encore une fois, avec ce sujet, on te dit attention au conflit au querelles. Donc, ça veut dire qu'on a quand même Saturne comme talisman qui nous aide énormément ici. Donc, il y a question aussi de persévérance, il y a quelque chose de structure, d'organisation. Ici, très clairement, fais appel peut-être à quelqu'un pour savoir quelle est la stratégie à suivre, justement, pour ramener la paix et l'harmonie et non être dans la colère. Ici, on fait très attention à la colère. C'est la colère, l'agressivité qui va mettre de l'huile sur le feu. Donc, attention, d'accord ? Très clairement, il s'est passé une situation qui t'a fait lâcher le contrôle sur quelque chose. Tu vois, là, en scorpion, peut-être, d'ailleurs. On a un scorpion qui vient piquer...
notre homme ici et qui lui a fait lâcher les rênes en fait de ses chevaux. C'est Phaéton hein, qui a lâché ça, lâché les rênes parce que le scorpion s'est jeté sur lui en fait. Donc ça parlait attention aux imprudences, attention à l'orgueil parce que ça c'est quelque chose qui te fera tomber. Hein. Donc, d'ailleurs, on parle d'imprudence, elle se retrouve dans l'ensemble floral ici avec paronique, giroflée et trèfle. On parle d'un manque de lucidité avec la constellation du caméléon. C'est pour ça, c'est comme ça que les choses difficiles ont été créées. Attention à la passivité, aux choses un peu, on dit attention à la tendance à la facilité avec la lettre B, au manque de régularité aussi, même à la possessivité. Ça, c'est tous les mots-clés de la lettre B, il y en a plein d'autres. Je te dis ceux qui sont les plus forts quand même. Hein. Donc ici, il y a cette notion de lâcher le contrôle sur les choses et de faire confiance justement pour éviter une situation compliquée, difficile. Donc encore une fois, fais preuve de bienveillance, de diplomatie, fais un pas de côté pour prendre du recul. Voilà. Ne te laisse pas embarquer par la colère. Il y a une notion d'entêtement, hein, d'accord? Quand tu ne veux pas lâcher les rênes, il y a une notion d'entêtement. Attention parce que ici, effectivement, pouvait y avoir des rapports assez agressifs. On pouvait être dans des énergies comme ça. Il y a peut-être encore des restes là. Donc, il faut faire attention. Bon, je ne suis pas astrologue, mais c'est ce que mes cartes me montrent. Il y a peut-être des restes et c'est le temps que tout ça passe parce qu'on voit très bien que ça va passer. Hein, on l'a vu, hein, l'harmonie revient. Donc, ça ne reste pas. Mais pour certaines personnes, il y a encore des restes de relations. Peut-être la planète Mars qui peut être dans le coin, dans le secteur et qui met le bazar dans certains signes, mais elle va quitter certains signes et tu vas pouvoir souffler notamment dans le signe du Bélier. Tiens bon encore peut-être quelques temps, mais on voit qu'en janvier quand même ça va pouvoir s'apaiser quelques semaines. Donc on évite les violences pour éviter les ruptures et les séparations qui pourraient être douloureuses dans le domaine sentimental, mais aussi professionnel également. Attention aux conflits, aux discussions qui t'emmèneraient nulle part et qui feraient que mettre une ambiance pourrie en fait dans les échanges, avoir des échanges agressifs. Enfin bref, tu évites toute agressivité, toute discussion exacerbée. Fais un pas de côté, mets-toi en retrait. Évite ça parce qu'avec les énergies du moment, ça pourrait peut-être être un petit peu stimulé. Et voilà. Mais on a vu justement hein, qu'en évitant un comportement agressif, l'équilibre est retrouvé, quel que soit le domaine, hein, dans tous les cas. Je continue. Voilà. Hein. Reste sur ton potentiel. C'est marrant, on avait Coda Draconis qui nous parlait de difficultés, là, ici, pardon, sous le H, d'épreuves. Et là, on a Caput Draconis qui nous parle vraiment de réussite, succès qui est favorable. L'autre était défavorable. On a un homme ici, ça peut nous parler justement de messieurs. Il est question vraiment de savoir s'affirmer face à ce qui est toxique. On a quelqu'un qui s'affirme ici. Et on te dit, les roches ici de Siané, elles sont dépassées. C'était ça les difficultés, le danger. C'était une zone très dangereuse pendant dans la Grèce antique, les roches de Siané. Et là, bah, tu les dépasses, l'oiseau, il les dépasse. Donc, c'est sûr que tu dépasses les difficultés, c'est sûr. Mais il va falloir s'affirmer parce que le roi de trèfle, c'est un homme qui est bienveillant et qui peut parfois avoir de la... Comment on appelle ça ? Qui est bienveillant, profondément bienveillant, mais qui est trop gentil aussi parfois. Et tu vois, les petits harpies, là, ils salissent ses aliments pendant qu'il est enfermé dans une caverne et qu'il est aveugle, en fait, ici. Il ne voit pas que sa nourriture est salie, mais il la sent parce que en fait, il ne va pas manger et ses guerriers-là, qui viennent lui apporter conseil, vont se rendre compte qu'il est quand même vraiment amaigri. Quand il a été retrouvé, il a été amaigri, tu vois. Donc, Caput Draconis, et je vais terminer avec Caput Draconis. C'est une figure géomantique qui est vraiment géniale, qui est positive. Donc, on va terminer là-dessus. Ça nous parle d'abord de 6 mois à 1 an, ça nous parle de mois d'août, c'est une construction lente mais harmonieuse. Donc tous tes efforts sont récompensés, ce sont les efforts des hommes qui tendent vers le haut, on dit effort récompensé, tu construis quelque chose, c'est lent, c'est difficile, mais c'est pour le bonheur, pour l'harmonie, pour la joie, c'est constructif.
Au mois d'août, il y aura quelque chose d'intéressant. Le danger sera passé, dépassé au mois d'août. Tu peux le ramener au niveau collectif aussi. Et je te remercie. Si tu veux une guidance personnelle, écris à lesacreféminin@gmail.com. Regarde dans la description sous la vidéo. Merci à toi.